les supporters, les journalistes du bar café. Beaucoup sont étonnés de voir les militants pro-RPG manifester à Siguirin dans les fiefs du RPG, à Cancan, à Zérecoré. Et je vois des journalistes dont leur rôle, c'est de dire la vérité, de rechercher la vérité. Je vois des journalistes du bar café aujourd'hui accuser les responsables du RPG. Oui, les responsables, ce sont eux qui sont à la base. Vous n'avez pas honte. Vous avez oublié que le 5 septembre, l'opposition en général a soutenu Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, cette même opposition ne veut rien entendre de ce bandit de Mamadi Doumbouya. Vous, les journalistes de Bar Café, vous ne parlez pas de ça. Pourtant, hier, vous étiez là à montrer les déplacements de Mamadi Doumbouya, de ce bandit sur l'axe. Il priait dès vendredi. Consécutif là-bas. Mais aujourd'hui, le bandit n'a pas le courage d'aller là-bas. Conan, Colo, les sorties des femmes là, ce sont les politiciens qui sont... Vous n'avez rien compris d'abord. Voilà, vous n'avez rien à dire. Vous êtes perdus. Vous êtes vraiment perdus. Parlez des jeunes même qui ont été devant l'ambassade de France pour dire de ne pas se mêler de nos problèmes. Moi, je vous avais dit ici, la famille, j'ai dit qu'il y avait un rideau de mensonges. Quand il y a eu le coup d'État, il y a eu des vocaux, des groupes WhatsApp en langue nationale, c'est-à-dire en langue malinké, disant à nos mamans que non, de se calmer, qu'au Bey Sabari, que c'est le coup d'État de bandit, de ce bandit Mamadi Doumbouya avec le président Alpha Condé. Wallah, nous les blogueurs, je ne dirai pas nom de quelqu'un, ils se connaissent entre eux là-bas. Des filles comme des garçons là-bas. Ils m'ont appelé. Non, Damaro, vous n'avez pas compris. Vous savez, le président Fakonde, il est fort en politique. Mana manakan. Je les ai dit. J'ai dit, si c'est comme ça vous pensez, gardez vos bêtises avec vous. Ce n'est pas avec moi, Damaro. Mais depuis que le président Fakonde a commencé à échanger avec ses militants de base, vous avez vu clair dedans. Le rideau est tombé. Leur mensonge de dire que non, c'est le coup préparé avec le président Alpha Condé. Qui allait accepter? Là, ça n'a compté à tout fait ici pour que le président Alpha Condé travaille avec lui. Il n'a pas accepté. Quelqu'un qui fait 11 ans au pouvoir vient d'organiser des élections. Ça ne fait même pas une année. Ces voyous-là viennent faire le coup d'État. Ils savent, les gens aiment le président Alpha Condé dans ses fièvres, sans rien attendre. Je vous ai dit ici, c'est ces manipulations-là qui ont endormi les gens. Dès les premières heures, ils ont dit, hey, calmez-vous. Ils ont voulu garder le président Alpha Condé sans qu'il ne communique. Même la pression qu'ils ont mise sur la CDAO, que le président Alpha Condé ne doit pas parler. Lorsque le président Alassane est haute, ils ont mis la pression parce que le président Alpha Condé ne doit pas parler. Même il est en Turquie aujourd'hui. La France et ses bandits, ses voyous-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour ne pas que les gens parlent. Mais on vous a dit que c'est déjà fini. Eh, affaire de Mamadi Doumbouya au Baraba, c'est l'échec total. Leur plan, je vous ai dit, vos plans A, ça a échoué. Le fait d'accélérer les chantiers du président Alpha Condé pour dire hey, « Mamadi, c'est un bâtisseur !» Ça, c'est les inconscients qui vont tomber dans ce piège-là. Vous pensez que c'est comme ça qu'on monte un projet? Et quand ils vont finir de faire ça maintenant, vous allez entendre les démagogues « Hey, Mamadi, c'est un travailleur de... » Pourtant, ce vaurien est flanqué. Il est flanqué au palais Mohamed V, qui ne peut même pas sortir. Allez chercher des marchés, des contrats. Tout ce qui est là. Ce sont les chantiers du président Alpha Condé. Ils sont en train d'accélérer comme ils veulent.
Et là, voilà, ils vont acheter leur conscience. On va dire, oui, Mamadi, Gardon, Mamadi, Doumbouya, Atana, Noma. Mais, et Abada Fendi, échec. 14 500 personnes. 14 500 personnes. Il n'y a pas eu de recrutement. Bande de voyous. Pourtant, vous avez dit ici, d'ici la fin de l'année, vous allez prendre 15 000 personnes. Bande de menteurs que vous êtes. Au lieu de déranger les gens, pourquoi vous n'arrangez pas? Au lieu de déranger, pourquoi vous n'arrangez pas? Au lieu d'envoyer les gens à la retraite, est-ce que c'est ça votre objectif? Bande de fainéants que vous êtes. C'était d'organiser des élections et foutre le camp. Bande de bandits, de marionnettes. Mais aujourd'hui, la vérité est là. L'échec est total. Ils ont endetté le pays. Vous ne savez pas. Vous savez, c'est les bâtiments, les gens voient. Oh, Mamadi, Air Guinée. Des bêtises pareilles. Mais allez-y demander les banquiers. Ils ont endetté aujourd'hui ce pays-là. Mais avant que ces bandits-là n'arrivent, il y avait combien au trésor public? Autant d'argent. Mais les voyous ont tout vidé. Demandez les banques aujourd'hui. Celui qui va venir après Mamadi, wallah, il va se prendre la tête. Je vous jure, si Mamadi avait les moyens, il allait recruter aujourd'hui. Pour se faire de nom, mais il ne peut pas. Demandez les fonctionnaires. Avant le coup, avant le 5 septembre et maintenant, ils étaient payés quand? Au temps du président Fakonde, malgré toutes les 14 500 personnes qu'ils ont mis à la retraite. Les travailleurs guinéens étaient payés le 23, 24, 25. On vous a dit le mensonge, c'est juste un petit temps seulement. C'est voyou là, Emunoma. Et les démagogues qui parlent. Hey, non, regardez le chantier. Non, c'est le ventre d'abord. Il faut d'abord nourrir un peuple d'abord. Soigner un peuple d'abord. Au lieu de venir faire de la démagogie. On dit non. Ils vont les chantiers, les aérodromes, à ceci, cela, à Mamou, à Kindia, je ne sais où, à Zérékouré. Que ça viendra du budget national. Et donc il y a l'argent au budget national, dans les caisses de l'État. Et bande de vauriens, de fainéants, vous êtes incapables de payer les enseignants contractuels qui menacent même d'empêcher les examens. Bande de vauriens que vous êtes. Pourtant, vous vous flanquez devant le peuple. Ah oui, on va faire l'aérodrome de Cancan, de Zérékouré avec le budget national. Bande de vauriens. Il y a l'argent et vous êtes incapables de payer les enseignants contractuels. Bande de vauriens que vous êtes. Vous avez cet argent? Et vous ne pouvez pas payer les gens. Presque 9 mois, les enseignants contractuels ne sont pas payés. Les bourses ne sont pas payées. Les boursiers sont en train de pleurer. Aujourd'hui, bande de vauriens. Les ambassades, même, on n'en parle même pas. Même les promesses tenues pour les anciens. Ils allaient les donner, demi-conteneurs, je crois, 5 billets. Et des primes pour se retourner au pays. Aujourd'hui, là, bande de menteurs. Même les 42 généraux de l'armée qu'ils ont jetés à la poubelle. Les promesses tenues devant le peuple de Guinée. Bande de vauriens. Vous n'avez pas respecté ça. À part la démagogie. Donc, les journalistes du Bar Café, vous qui êtes étonnés de dire que ah, les gens commencent à sortir. Hey, c'est le rideau qui est tombé. Où l'étang? Où les rideaux barabira? Les gens ont compris que Mamadi, c'est un menteur, c'est un traître, c'est un marionnette de la France. Au lieu de parler du RPG, ceux-mêmes qui l'ont soutenu, mais parler de ça. L'axe a cru en ce voyou de Mamadi Doumbouya. Mais pourquoi aujourd'hui l'axe ne veut même pas entendre parler de ce bandit aujourd'hui? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? La révolte du RPG ne doit pas être une surprise pour vous. Si vous devez commenter, c'est ceux qui ont cru à ce voyou qui est venu là. Pour le RPG, ne doit pas être une surprise. Ils avaient endormi les gens. Ils avaient cru que non, c'est une affaire de communauté. Mais les gens ont compris aujourd'hui. Avec le combat quand même. Et aujourd'hui, Cancan. Ils ont tout fait qu'ils vont manipuler. Mais les gens de Cancan ne tombent pas. Vous avez tous vu comment ils sont allés militariser la ville de Cancan. Ils ont voulu mentir pour dire non, Ali avait fui. Oulé.
Ils n'ont même pas honte, ces gens-là. Des gros menteurs seulement. On vous a dit, Mamadi, c'est l'échec total. Donc, son deuxième plan, quand le peuple, on va lui mettre le feu derrière maintenant, après l'échec total, crier ses bêtises en humiliant les gens. Et ils savent qu'ils vont passer demain. Un gouvernement aussi légal. Et vous avez humilié les gens. Le président Fakonde est venu. Il n'a pas humilié quelqu'un. Les dadis sont venus. Ils n'ont pas humilié. De ce qu'on va connaître, ils avaient fait des audits. Mais ils n'ont pas humilié. Comme ces voyous sont en train de faire. Pourtant, ils ne sont même pas des élus du peuple. Et aujourd'hui, ils ont peur. Parce que Mamadi, le jour que ces voyous-là vont dire, ces journalistes malhonnêtes du bar café vont dire ici, ah, voilà le chantier là, il a terminé, est-ce qu'on ne doit même pas le garder? Wallah, ce pays va brûler ce jour-là. N'essayez même pas de penser, n'y pensez même pas. N'organisez même pas des élections, restez comme ça. Mais, vous allez venir vous flanquer ici pour dire, ah, Mamadi, on va garder Mamadi, on doit l'imposer. Wallah, vous allez regretter. Vous allez regretter vos propos. Et le plan B, si ça échoue, pour Mamadi, ça ne va pas tenir. Il faut imposer un candidat inconnu, quelqu'un, par exemple, Sere Nyangbo, à la tête de Lansana Kouyaté. Même quelqu'un qui ne peut même pas être maire de la commune de Kankan. Voici des gens comme ça qu'on a. Qu'aussi le plan A, Mamadi Doumbouya, l'imposer, ça ne tient pas. Il faut imposer quelqu'un proche de la France. Voilà. Et pour garantir l'avenir de ces bandits, de ces voyous qui sont en train de mettre le pays en état. Voilà, et tout votre plan, plan A, plan B ont échoué. Ça ne marchera pas. Vous avez la chance. Vous n'êtes pas candidat. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Appelez les protagonistes, tout le monde autour de la table pour un dialogue sincère. Mais les voyous, non. Vous êtes manipulés, téléguidés par la France. Mais ce n'est pas en Guinée. Et on avait compris tous vos plans. Le fait de dire les cases Bellevue, on redonne ça à la famille de Sékou Touré, l'aéroport, on donne le nom au feu à M. Sékou Touré. Tout ça, c'était pour endormir les consciences. Mais aujourd'hui, les gens se réveillent. On se réveille. Mamadi est téléguidé par la France. Mamadi est téléguidé par la France. Pour piller ce que la France n'a pas eu la chance en 58 jusqu'à nos jours. De piller nos richesses comme ils sont en train de piller en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Le café de Côte d'Ivoire. Les billes de bois de la Côte d'Ivoire. Ils font des routes là-bas, qu'aux autoroutes. On prête de l'argent, le revenu, ça répare. Le franc CFA est fabriqué où? En France. Donc, une manière de contrôler la Guinée, mais ça ne marchera pas. Mamadi Doumbouya, wallahi, atenakela, la Guinée. Vous pouvez tromper le peuple un moment, mais pas à tout moment. Vous avez échoué. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous-même, vous voyez aujourd'hui, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Vous êtes venu humilier le président Fakonde. Connant la souffrance de la population, gabégie. Quand on dit on lutte contre la gabégie, c'est que l'État doit avoir vraiment les moyens, parce que ça ne vole pas. Mais depuis que vous êtes venu, c'est le mot seulement, gabégie. Mais les fonctionnaires pleurent aujourd'hui. Les entrepreneurs pleurent aujourd'hui. Tout le monde pleure. Vous ne faites qu'augmenter les taxes. Vous pensez que ça, c'est une manière de gagner plus d'argent. Bande de vauriens que vous êtes. Aujourd'hui, le résultat est là. Si vous voyez les gens sortent aujourd'hui, demandez le retour du président Fakonde. C'est que Amad Alborola, Amad Alborola, Wallah, Amad Alborola. Échec, c'est total. Et vous pensez que la force, là, ça peut maintenir. Même l'armée aujourd'hui, Mamadi, tu ne fais que changer. Tu veux toujours avoir des... Voilà, vous savez, un petit, quelqu'un qui était sous-préfet, on vient, on le nomme préfet.
Il s'est dit, je vais prêter allégeance à Mamadi. Grâce à lui, je suis devenu préfet. Lui aussi va. Il sait que ce n'est pas bon. La population, les gens ne veulent pas. Il va essayer de dire, je vais mater les gens là. Mais n'oubliez pas, hein, aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. Ça rattrape tout le monde. Ça rattrape. On a naganaba fait moura fourira. Ça va vous rattraper tous. Donc le mieux pour vous, c'est de dire la vérité à ce voyou, à ce bandit de Mamadi Doumbouya. Nous ne sommes pas au temps de feu général. Lansana Conté, paix à son âme. Lansana Conté Ratamounaki. Le monde aujourd'hui, là, c'est un gros village. Aujourd'hui, il y a l'internet. Fébirina, vous ne pouvez pas endormir les gens. Les consciences, non, vous ne pouvez pas. Vous voyez, quelque chose se passe au palais Mohamed V. Moi qui suis ici, aux États-Unis, en une fraction de seconde, paf, je suis au courant. Des fois, moi qui suis là, là j'informe. Donc, ça, c'est pour vous dire que la manipulation, là, vous ne pouvez pas. Vous voyez, vous essayez de contrôler l'Internet, réduire le débit de connexion, mais ça ne tient pas. Les gens sont fatigués. Molle brassé. Les gens sont fatigués. Mamadi, ITC, Imunoma. C'est ça la vérité. Toi, quelqu'un, tu n'étais rien. C'est-à-dire, c'est la démagogie là, de ces Guinéens-là, je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il n'a ni le niveau. Même les gens qui sont à côté, c'est des tonneaux vides. On est là, comment ça va aller? Ça va aller comment? Ceux qui les ont fait, qui ont un savoir-faire, qui ont pu avoir tous ces contrats aujourd'hui où ces voyous se flanquent pour dire aux Chinois, accélérer. C'est grâce à ces gens. Depuis qu'eux, ils sont venus. Quel contrat ils ont signé, vous allez dire, voilà. Vous entendez, l'argent, voilà. L'argent va l'argent viendra du trésor du budget national. Il y a quoi au trésor public aujourd'hui? Il y a combien aujourd'hui à la Banque centrale? Ils ont tout dilapidé, ces voyous-là. Mais ils sont là à faire espérer les gens dans le vide. Dans le vide. Aucun État sérieux ne va donner quoi que ce soit à la Guinée. Parce qu'à la tête, nous n'avons que des voyous, des gens qui ne respectent pas leurs parents. Vous voyez combien de fois aujourd'hui les États-Unis sont préoccupés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que les voyous-là ne respectent pas leur engagement. Même le chronogramme, les Américains ont affiché. Les voyous ont commencé à attaquer l'ambassade des États-Unis. Et on vous dit, nous serons très ravis. Hein? À la fin de cette date pour le retour à l'ordre constitutionnel, le retour de la démocratie. Les voyous, ils ont dit non, les États-Unis ne doivent pas les imposer. Pourtant, on ne vous a pas imposé. Après une année, 3 mois, c'est vous qui dites, on va organiser les élections en 24 mois. Et les 24 mois là, nous sommes le combien aujourd'hui? 5 mois déjà épuisés dans les 24 mois. Et vous avez entendu Mori qu'il a besoin de 600 millions. Allez-y, regardez, tapez sur Google, demandez la commission électorale en Côte d'Ivoire. Combien ils ont dépensé pour les élections? La Côte d'Ivoire nous dépasse en nombre de populations. C'est-à-dire, en matière de vie, tout est cher en Côte d'Ivoire. Voilà, par rapport à la Guinée. Les voyous viennent se flanquer qu'on a, on a besoin de 600 millions. Et pourtant, celui dont vous avez enlevé a fait la fierté. Organiser des élections avec des fonds propres pour dire non aux Européens. Ça, c'est une fierté. Vous qui êtes là, ça ne vole pas. Hein? Vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires. Vous êtes en train de les humilier. Mais vous, les voyous, vous êtes incapables d'organiser des élections avec des fonds propres. Et pourtant, le président Fakonde l'a fait. Et il n'y avait pas de problème. Vous, les voyous, vous êtes incapables aujourd'hui d'organiser des élections avec des fonds propres. Vous êtes là à quémander. Et les partenaires nous assistent. Au moment que le Mali, le Burkina sont en train de dire non à la France. Vous, c'est des experts français que vous êtes en train d'appeler pour venir vous appuyer. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurnicher.
Vous dites que non, les autres volaient. Ok, ça ne vole pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le système, ça ne marche pas? Vous avez gelé les comptes. Vous avez changé tout le monde. Là, vous n'allez même pas dire, c'est les ministres du président Alpha Condé. Ils ont là à saboter. Non. Vous avez pris vos hommes, des gens à qui vous avez confiance, qui insultaient même les anciennes dignités. Mais aujourd'hui, là, ça a changé quoi? Bande de fouriens, bande de tocas, bande de nulards que vous êtes. Ça a changé quoi? Le sac de riz. Le prix, c'est combien? 11 ans. Ça n'a pas changé. 200 et quelques mille. Malgré les manifestations, les dénonciations du pouvoir, le président Alpha Condé a tenu bon. Le prix de la farine, aujourd'hui, c'est combien? Bande de vauriens. Vous avez pu changer quoi? Avec Covid et consort, ce gouvernement, 6 mois, l'électricité, cadeau. L'eau, cadeau. Transport public, cadeau. Ce gouvernement-là l'a fait ici. Vos bandes de fauriens et même ces factures-là, ils essayent de récupérer ça avec la population. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous dites que les autres-là ne valent rien. Mais vous, les fauriens, les tocards, les arrogants, les bandits, les narcos, vous n'arrivez même pas à changer la donne. Un peu! Un peu seulement, vous n'arrivez même pas. Torre Namere Fari. Le banditisme prend de l'ampleur. Il n'y a pas d'emploi. Rien n'est créé. Bande de fauriens que vous êtes. Côté fort. Hein? Mon grand Daouda, ne répondez pas à ces gens-là. Il ne faut même pas... Il ne faut pas répondre à ces gens-là. Il ne faut même pas les répondre. Ah ah. Ne les insultez même pas. Ils vont beau parler, non? Et ce n'est pas du général. Hein? Ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Mais ils voient toujours le général. Ils ont monté tout. Ils ont payé des gens pour moi me faire descendre. Ils ont fait tout ça là. Où je suis toujours? Le général est toujours là, en forme. 5-5. C'est eux qui sont en train de souffrir aujourd'hui, leurs communicants. Parce que le général, ce qu'il fait, il monte ici, devant tout le monde. Voilà. Donc, ne les répondez pas. Laissez-les insulter. Parce que moi, je ne vais pas, je l'ai dit, le jour que je vais aller prendre l'argent avec quelqu'un pour venir dénigrer ici, c'est Dieu qui va m'exposer devant tout le monde. Moi, mon combat, tout le monde, tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Voilà. Et moi, je ne connais pas le président Alpha Condé pour dire, ah non, j'ai signé pas un pacte avec le président Alpha Condé. Au moment que les bandits étaient en train de tromper la population pour dire c'est le coup d'état du président Alpha Condé. Nous, nous étions là, dès les premières heures du coup d'état, pour taper sur ces voyous, ces bandits-là. Donc, ne les répondez pas, laissez-les. C'est eux, ceux qui ne veulent pas entendre là. Moi, en tout cas, je dis ici, c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des narcos. Tu n'aimes pas, tu veux regarder. Il faut écouter. Mamadi Doumbouya est un voyou. Je dis bien, c'est un voyou. Il n'est pas l'élu du peuple. Il n'a pas été élu par le peuple. C'est un voyou. C'est un traître. C'est ce que vous voulez entendre, non? Vous avez seulement de la chance. Mon éducation ne me permet pas de dire certaines choses. Sinon, vous allez boucher vos oreilles là. Mamadi lui-même, il sait qu'il est voyou. Quelqu'un qui était dans la Légion. Il a été viré de la Légion. Il n'avait pas de grade. Les forces spéciales n'existaient pas. Toi, tu viens. On te met à la tête des forces spéciales. Et ce voyou était dans les affaires louches. Affaire de drogue. Depuis l'arrivée de ce voyou-là, vous avez une fois entendu des saisies records, 3 tonnes de cocaïne, parce que lui-même, c'est le patron. Aujourd'hui, des saisies records du jamais vu en Afrique de l'Ouest. 3 tonnes. Et personne ne tombe. Vous, les voyous-là, vous qui parlez de moi. Est-ce qu'ils ont arrêté quelqu'un pour dire, voilà, même Bala aujourd'hui, c'est chaud derrière lui, parce que Mamadi veut sacrifier ses amis. 3 tonnes de cocaïne. Et après ça, il y a eu des tonnes et demi. Et personne. On nous dit, eh voilà, tanana, nanani, nanana. Mamadi Kaba, qui était en prison, avant le départ du président Alpha Condé en Turquie, avant le coup d'état. Vous avez vu les médias, les Moussa Moïse, tout le monde parle. Les têtes vont tomber, affaire de drogue. C'est parce qu'il y avait la démocratie, il y avait la liberté.
Chacun disait ce qu'il voulait. Les enquêtes, les journalistes, Moussa Moïse, se déplaçaient. Allez dans les commissariats, allez demander. Mais Mamadi Kaba est aujourd'hui où? Mamadi Kaba a été libéré en pleine journée. On lui prend de la maison centrale à l'hôpital, on le fait évader. Le grand de qui? Mamadi Doumbouya. Il est où aujourd'hui? En France. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Bande de malhonnêtes. Quand je vous dis, ils étaient en préparation, leur coup d'État, avec la France. Mais ce qui les a poussés vite à faire le coup d'État, c'est l'affaire de drogue. Parce que Mamadi allait tomber dedans. Ses collaborateurs allaient tomber. Donc c'est pourquoi, si vous avez vu que ça a été violent, parce qu'il n'avait plus de choix. Les semaines qui suivaient, le président Alpha Condé allait enlever Namori et arrêter ses bandits, ses voyous, ses officiers voyous, ses officiers narcos. Mais aujourd'hui, la dame, j'oublie son nom, Fatou, qui était en prison, son mari était douanier, ils ne les ont pas libérés tous parce que c'est le même réseau. Ils ont libéré tous leurs amis narcos qui étaient en prison. Vous ne parlez pas de ça. Et vous êtes là que vous allez tromper la population. Ces voyous, ces vauriens qui sont là aujourd'hui. Vous ne voyez pas les châteaux de Amara? Vous ne voyez pas les maisons que Doumbouya a construites? Vous ne voyez pas les proches de Doumbouya? Les Bill Condé aujourd'hui, qui sont en train de construire à Matoto. Vous ne voyez pas? Le jour du coup d'État. Les civils, les Ahmed Durak, qui étaient parmi les militaires. Vous ne voyez pas tout ce complot-là? De ces gens? Et vous voulez que non, non, qu'on se taise? Qu'on laisse le pays comme ça dans la confusion, dans le mensonge. Ces voyous, ces vauriens vont être à la tête du pays. Encore, on va faire 20 ans, 30 ans en arrière dans la démagogie. Tout le monde a vu le changement de 2010 jusqu'à nos jours. Depuis que Mamadi est venu maintenant, les gens commencent à voir clair dedans. Déjà, le président Alpha Condé était en train de travailler. Critiquer, c'est bon. Mais maintenant, les gens voient. Côté fort. Donc, franchement, ne les répondez pas. Moi, vous me connaissez, je suis au calme. Ils peuvent sortir, insulter maman, papa. Vous savez, c'est que vous... Si vous voyez un chien en train d'aboyer, toi aussi tu aboies, mais tu deviens chien. Moi, c'est pourquoi ces petits blogueurs, ils n'ont qu'à parler. Moi, Damaro, je ne vais jamais les répondre. L'essentiel, c'est de dire, et les gens vont vérifier qu'est-ce que Damaro a dit. C'est fini. Mais tout le reste, là, je ne vais pas les répondre. Voilà, laissez ces blacoro parler. Le jour qu'ils vont enlever Mamadi Doumbouya, ils vont comprendre. Hein? Donc, essayez de comprendre cela un peu. On a affaire à des petites personnes. Ntame Yabima, Kewa Era Kombiti, Ntame Yabima. D'autres ont insulté hier. Aujourd'hui, on me demande pardon. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Moutana non dinan falafé. Le CNRD, là, ils ont peur de deux candidats. Le candidat du RPG et le candidat de l'UFDG. Après avoir fait autant de mal à Selou Dalé, en l'humiliant, en cassant sa maison, aujourd'hui, ils ont affaire aux militants. Et pareil pour le RPG. Et ils savent aujourd'hui, c'est les deux grands partis. L'UFDG ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi ils ne peuvent pas organiser des élections. Ils ont peur. Ils se disent que si Selou Dalé vient, et ils ont dit la CRIEF, et cette CRIEF va continuer. Vous êtes venus, vous avez trouvé combien au trésor public? Donc ils ont peur de ça. Le RPG, en présente quelqu'un qui n'est pas le président Alpha Condé, ce dernier aussi vient. Vous avez mis la CRIEF, tout le monde a dit c'est une bonne chose. Ah, vous allez aussi rendre des comptes, ils ont peur de tout ça. Voici pourquoi nous avons de sérieux problèmes. On a vu les gens qui ont voulu garder Dadis, faut rester Dadis. Mais quand Dadis a pris une balle, Sekouba est venu. Vous avez vu Sekouba? Même le premier ministre, tonton Jean-Marie Doré, personne. C'était un premier ministre de consensus. C'est l'opposition qui avait choisi. Donc, tout ce qui était politique, c'était l'opposition. Les militaires, c'était la défense et autre chose. Ils n'avaient rien à voir. Est-ce que le général Sekouba Konaté a fait autant de décrets comme ce voyou est en train de faire aujourd'hui? Donc, la vérité est là. Donc, ils ont compris. Et où tu vas enlever UFDG, ANAD, et RPG, et UFR, dans le dialogue? Il y a quel dialogue? Hein?
C'est le Siakabari, là. Eh, hey, Maïmoné, la Guinée-Takène Monelli, les Siakabari. On voit déjà. Ça dit, eux-mêmes, ils sont en campagne. Siakabari à quoi? Au temps du président, il était là. Vous n'avez jamais vu ce gars. Mais aujourd'hui, on les donne des 4x4. Ça vient d'où? Les Faya Minimono, on achète des motos. Ça vient d'où? Le silence qu'ils sont en train d'imposer aujourd'hui là. Les Baouri, ils refusent de dire la vérité à ces bandits et acceptent de prendre des miettes avec les bandits là. À cause d'argent. À cause d'argent, ces politiciens mendiants là. Voici des gens comme ça. Et c'est pourquoi je dis à Siakabari, souvent, je me dis, il était au courant du coup d'État. Quand il y a eu les élections législatives, il était député, il a refusé de partir. Il est parenté à Mamadi, sa maman et la maman de Mamadi, ils sont parentés. Et c'est là maintenant, j'ai bel et bien compris. Siakabari était au courant du coup d'État, c'est pourquoi il n'est pas resté à l'Assemblée. Ils étaient tous au courant du coup d'État. Ils étaient tous au courant du coup d'État. Et quand on dit Siakabari, c'est qui? Qui le connaissait ici? Qui a fait de Siakabari? Qui l'a fait connaître, le nommé ministre ici? C'est le président Fakonde. Au lieu que son bras font fissurer l'ombali. Regardez Blegoudé en Côte d'Ivoire. Mais chez nous, il n'y a que des fissurer l'ombali. C'est pourquoi ce pays-là n'avance pas. Des aigris. Quand on les enlève comme ministre, ils viennent se flanquer qu'eux, ils sont devenus politiciens. Après avoir volé. Siakabari avait une maison ici. Sa maison où il est là, ce n'est pas autant du président Fakonde, mais on ne l'a pas humilié ici. On n'a pas parlé de Krief ici. Le président Fakonde ne s'est pas mis à humilier des gens ici. Il s'est mis à travailler pour faire que l'État soit petit. La route nationale. Mais Albert Fissurer Lombali, moi c'est pourquoi des gens pareils, je ne peux jamais les aimer. Ceux qu'ils ont fait, qui les ont fait connaître. Qui vous a choisi parmi tant d'autres. Vous nommez ici des ministres. Le silence est mieux pour vous au lieu de vous associer avec des bandits qui ont humilié, qui ont renversé la personne. Vaut mieux rester dans le silence que de vous afficher avec ces vauriens. Et vous saviez que ceci-là ne peut pas faire mieux que le président Fakonde. Ça, vous le saviez. Vous-même, vous êtes intellectuel par rapport à ces voyous qui sont là. Mais la démagogie à cause de vos intérêts personnels. Bon, c'est pourquoi je dis il y a des leaders là. Il ne faut même pas qu'ils vont rêver même. Ne rêvez même pas que vous allez devenir quelque chose. Je ne suis pas Dieu. Mais vos parcours d'abord, ça va nous suffire. Largement, nous, les activistes ici, pour venir encore vous détruire, expliquer au peuple, vous ne devez pas faire confiance à ces voyous-là. Parce que ce n'est pas des hommes de confiance. Eux, ils ne cherchent leurs habits qu'où le soleil brille. Même si ça doit brûler l'habit. Ils ne vont pas doucement dans le respect, dans la vérité, non. Eux, ils sont dans le mensonge, ils grandissent dans le mensonge, comme le parcours de Doumbouya. Ce n'est pas des militaires. Quelqu'un qui est rentré dans l'armée, il a étudié, il s'est formé. C'est comme, bah, moi je n'en veux pas, hein. Le parcours de Ibrahima Sori Bangoura qui est aujourd'hui chef d'état-major. Moi, si vous me demandez, je ne suis pas contre. Il a un bon parcours, il a étudié, c'est un intellectuel. Même si je n'aime pas Mamadi Doumbouya. Dans l'armée, le poste qu'il occupe, son poste, je ne l'en veux pas. Je veux dire qu'il mérite le poste. Mais par rapport à des voyous comme les Amara aujourd'hui, qu'on grade aujourd'hui des généraux. Hein? Ceci-là, je peux dire non, ceci ne mérite pas. Et on va prendre un tatakourou au directeur général de la protection civile. Je suis d'accord qu'on nomme les gens. Mais pas à des postes de responsabilité. Directeur de la protection civile. Il y a des gens au ministère de la sécurité là-bas. Qui sont calés. Tatakourou. Qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience. 20 ans d'expérience. Qui peuvent être des directeurs. Gérer ce département. Mais quelqu'un qui était vigile en France. À cause de sa démagogie. En venant sur les réseaux. Tel. On le prend, on lui donne un poste de directeur général. C'est pas pour dire il y a des directeurs dans ce département et il y a un autre. Non. Lui, on lui dit le directeur général de la protection civile. Et comment ce pays-là peut avancer?
avec des fanfarons pareils, des voyous pareils. Comment la Guinée peut avancer? Et tu vois des journalistes applaudir ça. Parce que celui qui a la tête, c'est un tonneau vide, c'est un vaurien. Il n'a aucune notion de la République. Il n'a pas de diplôme. C'est dans la manipulation qu'on l'a mis à la tête des forces spéciales. Et il a utilisé cette force-là pour être à la tête où il est aujourd'hui. Et vous voulez que le pays avance comme des bandits réunis, des vauriens, des tocards. Ils ont fait combien de changements? Hein? Les Djiba, là, ils avaient quel diplôme? Ils étaient où? Quel poste ils ont occupé? Le bandit vient, il dit les diasporas. Des vagabonds, hein? Ce n'est pas des gens qui occupaient des postes. Hein? Des vagabonds, le matin, 7 heures, ils sont dans les cafés. En Belgique, à New York, au Maroc, un peu partout. Matin, bonheur, eux, ils ne donnent même pas la, ils ne donnent même pas la dépense. C'est leur femme qui travaillait dur. C'était des gens qui étaient couchés derrière leur femme. Tous ceux-ci ont pris, ils ont ramassé, d'autres même c'était à crédit, ils sont arrivés à Conakry. Dans les hôtels là-bas, ils ont été endettés beaucoup. D'autres, quand ils sont arrivés au départ, c'était du shawarma, en tout cas du choco-choco, dans les croissants, dans les, on dirait des vrais experts. Après 3 mois, 4 mois, il fallait les voir lutter avec Togui. Après, pour dire aux Guinéens là-bas, « Hé, Mbari, n'y faut dire, n'oublie, n'ibera, n'oublie-moi, prête-moi ça. » Les dessus là sont retournés, ils sont devenus maintenant opposants contre le bandit. Pour dire, hé, ah, Fonara, maman dit Fonara, Fonara, autant la mouke libé, autant yatu fo, aussi ga fo yire, abiri, afin du fo yara. C'est ça la transition là. Fo yatu, des faux. Regardez ceux qui sont dans le gouvernement. Tous des faux. Vous allez évaluer leur diplôme. Ces gens, ces directeurs, ces ministres. Rares qui méritent. Pour ne pas dire, et tous, rares, qui méritent des vauriens réunis seulement. Les noms par affinité, après ça pour venir dire qu'on accuse ceux qui ont construit, qui ont apporté quelque chose à ce pays-là. On vient, on les humilie. Et on doit s'asseoir et regarder ces vauriens-là continuer à humilier nos personnalités. Non, ça ne se fera pas devant nous. Donc, merci la famille. Merci à tous ceux qui prient pour nous. En tout cas, merci aux militants du RPG. Franchement, les gens commencent à se réveiller. Et je crois que l'Axe disait, ah non, les manifestations, c'est toujours nous. Non, ce n'est pas que vous. Maintenant, vous avez compris. Le rideau est tombé. Depuis que le Fama a parlé, les gens ont compris maintenant que le coup d'État, c'est un vrai complot. Un vrai complot. Et vous-même, vous avez compris cela. Donc, vous voyez maintenant Sigiri sort, Cancan, Zérekouré. Donc, ce n'est pas que l'Axe maintenant. Maintenant, nous devons unir nos forces pour faire partie de ce bandit, ce narco de Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc, les journalistes du Bar Café, arrêtez d'accuser nos responsables. Tous les comptes ont été gelés. Vous avez gelé tous les comptes. Des gens qui ont servi le pays pendant 11 ans. Si c'était des sages, des réfléchis, j'allais être d'accord avec eux qu'on gèle 2/3 ou la moitié de leurs revenus dans les banques le temps de faire les enquêtes. Non, on vient, on gèle leurs comptes totalement. Ils n'ont pas de salaire, ils ne sont pas rémunérés, d'autres sont en prison. Et vous venez, vous, encore le même journaliste. Vous flanquez. Si vous avez Kalita, c'est grâce à ces gens-là. Vous avez Swapeti, c'est grâce à eux. Vous avez Mamadi Doumbouya, c'est grâce à eux. Vous qui pensez que Mamadi Doumbouya, il est tombé du ciel. C'est grâce au gouvernement du président Alpha Condé, les forces spéciales. Donc, arrêtez vos bêtises un peu. En accusant ces gens-là. On a aujourd'hui des généraux qui n'ont même pas de véhicule. Mamadi Doumbouya, ils sont venus. Ils ont dépossédé ces gens. Les anciens dignitaires. D'autres aujourd'hui, même pour avoir tasse de thé, ils n'en ont pas. Et vous vous flanquez pour dire, la population aujourd'hui, les gens sont fatigués. En Guinée, il n'y a plus d'espoir.
pour dire, tu vas dire, ah, mon oncle va m'aider, mon beau va m'aider. Tout le monde pleure. Tout le monde. Par la faute des vauriens, des voyous. Parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. Les investisseurs, même des Guinéens qui ont l'argent aujourd'hui, ne vont pas prendre le risque d'aller en Guinée aujourd'hui. L'insécurité est totale. Les mêmes, d'abord des Guinéens, hommes d'affaires, d'abord nos opérateurs économiques ont quitté le pays. L'argent à la banque, il n'y a rien. Les banques aujourd'hui ont endetté l'État. Et l'argent ne rentre pas. L'État ne les rembourse pas. Comment les banques, comment ils peuvent avoir des activités? Comment un Guinéen peut aller dans une banque aujourd'hui prêter de l'argent pour créer des activités? Rien. Parce que les banques ne font pas de profit. Ils sont là en dehors, voilà, l'État, ils nous doivent ceci, cela. Donc vous n'avez pas compris jusqu'à présent cela ?